On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. Bonjour, bienvenue. On est à l'Etihad Stadium avec Pierre aujourd'hui. Ça va, Pierre? Ouais, salut Hervé, bonjour à tous les amoureux du ballon rond. Manchester City face à Chelsea, ça c'est un bon programme. Ouais, deux équipes à gros budget et en général des matchs assez serrés. Ce match nous permet de suivre Manchester City face à Chelsea, soit l'équipe qui marque le plus de buts face à celle qui en encaisse le moins. Bon, tu sais ce que je pense des stats, hein. Ça vaut ce que ça vaut parfois, mais j'attends de voir le résultat sur le terrain. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Début de ce match avec les Sky Blues de Man City au coup d'envoi. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Eden Hazard. On écarte le jeu. Il est à l'interception. Gabriel Jesus. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il sort ce ballon en touche. N'Golo Kanté. Ça a été dévié. Touche. Kevin De Bruyne. Choisit la frappe. Pas de souci pour le gardien. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ouais, touche suite à cette déviation. Sterling. De Bruyne. Marquinhos. En profondeur, oui, bien vu. Mais c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Gabriel Jesus. Pour l'équipier au second poteau. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Ouais, la bonne passe. La frappe. Oh, sur le poteau. Pour l'instant, le score en reste là, mais le cadre ne pourra pas repousser toutes leurs tentatives non plus. Il cherche un coéquipier dans la surface. Allez, ça sort, ce sera un corner. Attention à ce corner bien frappé par Eden Hazard. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Et ce ballon est intercepté. Le roi Sané. Kevin De Bruyne qui est passé. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Un des enjeux pour les Citizens. De Bruyne, c'est dans le paquet. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Kanté.
Eden Hazard. N'Golo Kanté. Loftus Cheek. Torres. Jonathan Tah. Kanté. Ouais, c'est joué par-dessus. Oui, la passe. Il enchaîne par un centre tendu. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Ouais, d'aussi près, ça fait souvent but. Hein. Ouais, mais bon, il y a l'intuition, hein, ça compte aussi dans le foot. Bien, ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Chelsea a pris l'avantage. Goal for Chelsea. Number 10, Eden Hazard. Kevin De Bruyne. Sané. Allez, qui va reprendre ce ballon? Kanté. Alexandro. Torres. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Eden Hazard. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel un peu trop tôt. Kevin De Bruyne. Très mal donné, hein, ce ballon. Eden Hazard, Christensen, ils font circuler le ballon de leur camp et ils continuent puisque l'autre équipe ne vient pas les chercher. N'Golo Kanté, Gabriel Jesus. Ah, il y avait l'idée, mais le gardien s'empare du ballon. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. N'Golo Kanté. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. La meilleure attaque du championnat qui se retrouve menée à la pause. Être la meilleure attaque du championnat, ça ne suffit pas toujours. Hein. C'est à chaque match qu'il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Enfin, il reste une mi-temps. Début de ce match avec les Sky Blues de Man City au coup d'envoi. Le début de la seconde période de ce match avec Chelsea qui veut le score. Timo Bakayoko. Loftus Cheek. La passe aérienne, pas mal. Hazard, ça peut faire but. C'est dégagé en corner. Précision d'Eden Hazard sur ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. Ruben Dias. Loftus Cheek. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Victor Moses. Sterling. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Les Blues de Chelsea qui ont bien défendu sur ce coup et qui ont récupéré la balle. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Gabriel Jesus. Alors, on peut dégaliser là. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon, plus difficile à négocier. Les supporters qui savent que ce corner est très important. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ce sera un nouveau corner.
Allez, petite combinaison sur ce corner. Le tir. Allez, nouveau corner. Allez, le corner frappé par Riyad Mahrez. Ce sera droit dans les bras du gardien. Thiemu Bakayoko. Ah, la passe en profondeur, attention. La frappe. Un corner, allez, pour creuser l'écart dans cette rencontre, pourquoi pas. Allez, Chelsea qui va bénéficier d'un corner. Attention à ce corner, bien frappé par Eden Hazard. N'Golo Kanté. Victor Moses. Ruben Dias. Love to check. Ouais, belle séquence de passe, attention. Hein, ça... Ah oui, il cherche un partenaire avant la profondeur. De Bruyne. Il doit tout faire pour marquer au plus vite. Riyad Mahrez. La météo qui semble s'améliorer dans ce match. Et heureusement, ça se dégage un peu. Hein. Je crois que c'est ce qui avait été prédit avant le coup d'envoi, de toute façon. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Et ce serait pas mal, oui. Jonathan Ta. Les 30 derniers mètres. Ouais, ce ballon qui est bien récupéré par les Blues de Chelsea. Et on va donc changer de tactique en face. C'est un peu priorité à l'attaque maintenant. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain en début de match. L'entraîneur demande l'attaque à tout va. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Ah, la bonne qualité de ses passes. Et les joueurs de City qui sont toujours menés dans leur stade Etihad Stadium. Un but de retard et les minutes qui filent, le public qui donne de la voix en tout cas en cette fin de match. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Oh, sur cette interception, il vient de casser une occasion terrible. Ouais, faute et coup franc là pour Chelsea. Le public qui se manifeste, une partie du stade en tout cas, et ça peut se comprendre parce que leur équipe est en train de perdre et face à elle, il y a un adversaire qui joue la montre sur chaque action constamment. Oui, et puis là, c'est clairement délibéré, maintenant il y a un arbitre, hein, c'est à lui de prendre ses responsabilités avec les minutes de temps additionnel. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Riyad Mahrez. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Love to check. Kurt Zuma. Thiemu Bakayoko. Ruben Dias. Il fait le match au ralenti, vraiment. On ne voit pas trop comment le score pourrait évoluer maintenant. Torres. Ah, attention, le tacle où il a bien fait de sauter. Ah, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Et c'était donc la dernière action de ce match. C'est terminé, ce sont les Blues de Chelsea qui s'imposent. Ah, les joueurs qui s'imposent en ayant fait preuve d'une grande maîtrise défensive. Ouais, l'adversaire qui n'a jamais trouvé la réponse tactique face à cette défense. Allez, décidément, ils sont toujours aussi efficaces, même à l'extérieur. Hein. Ils ont pu compter sur leur défense en béton armé. Ne pas encaisser de but ici, il fallait quand même le faire. Les joueurs qui n'ont rien lâché aujourd'hui, ils repartent avec ce clean sheet. Pas de but encaissé hein, pour les non-anglophones. Ça vient confirmer le statut de meilleure défense du championnat.
never time.